Édition des Vals d'Allier, c'est une maison d'édition locale basée à Thiers, au 31 rue des Docteurs Dumas. Nous faisons ce que l'on appelle des beaux livres, des livres qui sont richement illustrés et qui traitent d'histoire, de culture et de patrimoine. Les quatre collections qui sont proposées par les éditions Vals d'Allier sont Une histoire pour l'histoire, ce sont des récits, des romans qui ont tous un fondement historique. La collection Regard, qui est une collection qui marie à la fois l'image et le texte, anciens ou d'actualité, qui sont des regards croisés à travers trois chapitres, des hommes, des lieux, des légendes. La collection Regard comprend également des ouvrages thématiques sur une marque, par exemple, ici la marque Favor, qui sont des cycles motocyclettes qui étaient fabriqués en région clermontoise. Les moteurs AMC, une brillante entreprise clermontoise également, et prochainement, les automobiles Fasto, qui étaient fabriqués à Saint-Éloi-les-Mines et qui étaient une marque prestigieuse dans les années 25 à 30. Dernière collection, la collection Reflets d'archives, qui sont des textes, des petits textes, qui sont parus et qui sont directement issus des archives. D'autres projets, plus spécifiques encore, Le Soleil des Hommes, qui n'est ni plus ni moins que l'histoire du feu, de sa création, de sa découverte à nos jours. Notre toute dernière collection est entièrement consacrée à Jean Dumas. Jean Dumas a, entre 1958 et 1961, collecté des chansons dans les campagnes environnantes du Puy-en-Velay, de la Haute-Loire et un petit peu du Puy-de-Dôme. Il a enregistré ses chansons. Le premier ouvrage que nous avons publié sont les chansons de Virginie. Ce travail qui a été fait se présente sous la forme de près de 200 partitions. Un ouvrage magnifique en deux tomes, accompagné d'un troisième tome composé de deux CD qui reprennent les enregistrements originaux et l'ensemble des partitions en format numérique.